Le système API-PNR est un nouveau fichier de contrôle des déplacements aériens pour la sécurité des frontières. Il s'applique aux vols à destination et en provenance de l'étranger. Représentant le ministre gabonais des Transports empêchés, le ministre de l'Habitat, Ludovic Meunier-Ndon, est revenu sur la nécessité du Gabon d'implémenter ce nouveau dispositif sécuritaire aéroportuaire. Depuis le dernier audit de sûreté réalisé par l'OACI en mai 2021, la note affichée du Gabon est de 64,5% de conformité, tandis que la moyenne mondiale actuelle avoisine les 75%. Ces chiffres illustrent clairement que nous devons redoubler nos efforts d'accélérer le processus de correction des écarts aux règles établies. Cet atelier permettra de communiquer aux parties prenantes les contours liés à l'implémentation du dit projet au Gabon et de valider les actions coordonnées pour sa mise en œuvre dans le pays. Partenaire de gestion selon l'accord signé avec l'État gabonais, le groupe canadien INCAS Aerospace and Defense veillera à ce que les textes réglementaires proposés par l'ONU, l'OACI, soient appliqués au Gabon. Cette initiative permettra au Gabon de détecter et d'intercepter les terroristes, les grands criminels et les trafiquants de drogue, conformément aux dispositions de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale qui stipule que chaque État contractant mettra en place un système de renseignement préalable concernant les voyageurs. Notons que le système API-PNR contient les informations liées à l'enregistrement des passagers provenant du passeport ainsi que les détails sur la réservation et les contenus dans les dossiers créés par les compagnies aériennes pour chaque vol. Il permet d'identifier chaque passager et d'avoir accès à tous les renseignements du voyage de ce dernier.